Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti les gars, donc ce qui va se passer dans cette vidéo c'est très simple. Je vais tout simplement les amis vous montrer comment tout simplement gagner un peu plus de 250 000 les gars. Donc 275 000 au total les amis. C'est très très simple les amis, déjà vous allez devoir vous rendre ici les amis en moto ou moto volante les amis, voilà comme ça. Parce qu'en fait il y a plusieurs easter eggs les amis. Des easter eggs les gars c'est quoi? C'est tout simplement des petits messages cachés par Rockstar, pardon excusez-moi j'allais dire Epic Games. Oulala ça commence mal. Du coup let's go les gars, donc il y en a par exemple un ici, il y en a un ici, il y en a quelques-uns cachés dans la map. Et si vous avez une moto volante tout simplement ça va beaucoup plus vite que si vous avez une voiture. Faut prendre les routes, faut faire tout le tour alors qu'une moto volante vous faites juste... Du coup let's go les gars, donc tout simplement le premier emplacement les amis se trouve juste ici. Donc regardez, je dézoome, vous avez des garages ici, vous avez le truc de muscle ici, le bras de fer. Simplement vous descendez, et voilà donc ici les amis. Et tout simplement les gars, bon par contre on peut zoomer beaucoup hein. Je savais pas qu'on pouvait autant zoomer. Ok mais du coup let's go les gars, donc vous vous rendez ici les amis. Et tout simplement ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement descendre de votre véhicule et aller tout simplement sur ce bâtiment ici les amis. Et tout simplement aller derrière. Et déjà vous pouvez voir que vous entendez des petits bruits les amis. Et il y a marqué can you find me. Ça veut dire pourrais-tu me chercher ou quelque chose comme ça les amis. Du coup faites appuyer pour examiner l'indice. Et du coup il y a marqué ça, regardez vous pouvez zoomer. Can you find me. Et du coup les amis dès que vous quittez les gars vous gagnez 5 000 $ tout simplement les amis. Donc c'est vraiment waouh tout simplement. Voilà donc déjà c'est pas mal 5 000. Mais enfin voilà c'est pas mal 5 000. Du coup let's go les gars. Donc attendez il y a un petit problème les amis. Donc bref on se retrouve pour le deuxième easter egg les amis. Petit mot caché par Rockstar. Let's go à tout de suite. Donc les amis pour le deuxième c'est la même chose les amis. Vous allez tout simplement devoir vous rendre à l'aéroport tout simplement de Trevor. Donc pas l'aéroport qui est tout simplement en bas de la carte mais tout simplement l'aéroport de Trevor. Donc l'aéroport ici les amis voilà appelé l'aéroport de Trevor. Donc vous allez vous rendre ici les amis. Ici les amis. Donc vraiment là où je pointe les amis. Donc là vous voyez la barricade ici. Et tout simplement les amis vous allez passer ici les amis. Vous allez avoir le petit truc rouge là, avec le sac poubelle etc. Et les amis c'est vraiment flippant. Faites ça en nuit les gars. Les amis là vous avez des petits bruits déjà. Et regardez ce qu'il y a par terre les amis. Une main. Donc une main que vous pouvez zoomer les gars. Regardez et c'est vraiment une main avec du sang. Et tout simplement bah c'est magique tout simplement. Donc qu'est-ce que vous faites les amis, vous faites quitter. Et vous regagnez 5 000 les amis avec des XP. Donc c'est très très simple pour l'instant. Regardez en bas à gauche deux indices examinés sur 5 les amis. Donc c'est très très simple. Suivez bien tout ce que je vous dis et vous gagnerez de l'argent les amis. Donc pour l'instant on peut savoir que c'est un savant fou qui découpe des petites personnes. Voilà. Rien de plus les amis, let's go pour le troisième easter egg indice, let's go. Donc les amis pour le troisième emplacement les amis, j'ai oublié de le dire les gars, lâchez le plus gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. Donc voilà, bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus les amis, let's go, je compte sur vous. Du coup les amis pour le troisième emplacement les amis, il se situe juste ici. Donc vous voyez l'aéroport qui était super près les gars. En fait ça a fait ça, ça, ça. Donc pour l'instant c'est super près les amis, voilà ici. Donc les amis vous voyez le petit endroit là où vous avez plusieurs plusieurs pâtés de maison. Et bien simplement c'est ici les amis. Donc les amis vous vous mettez devant le hangar. Et tout simplement les amis, déjà vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des petits bruits. Vous voyez les amis, donc ça fait super peur, heureusement qu'il n'est pas la nuit les gars. Et tout simplement les amis, vous avez une petite hachette les amis, ici. Donc bon, on examine l'indice, c'est parti, let's go. Donc les amis, vous pouvez voir qu'il y a une hachette couverte de sang les amis. On se dit que c'est vraiment un savant fou, il a peut-être voulu nous passer un message en mode je vais vous tuer, quelque chose comme ça les amis. Donc ça fait vraiment flipper. Je sais les amis que cette vidéo normalement est, bah, est super connue tout simplement. Mais je fais cette vidéo là les amis vraiment pour ceux qui connaissent pas les amis. C'est sorti en... Bah je crois que depuis le début du jeu tout simplement. Il y a la petite hachette ici et personne ne l'a jamais remarqué. Du coup let's go les amis, vous quittez et vous regagnez 5 000 $. Du coup let's go les amis, je ne répète pas assez les amis mais bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour un maximum de vidéos et de live les gars. Et moi les gars je vais vous trouver pour le quatrième indice easter egg, let's go. Du coup les amis pour le troisième vous allez devoir vous rendre au petit restaurant les amis burger. Donc tout simplement en haut de la map. Donc celui-là les amis s'éloigne un petit peu, vous êtes passé de là et faut faire toute la route ici les amis. Tout simplement les amis j'ai dû changer de moto puisque tout simplement elle a explosé tout simplement. Du coup les amis vous vous rendez ici les amis, vous voyez un petit L ici tout simplement. Et tout simplement vous allez ici, donc le glitch le passe à peu près ici. Donc les amis vous vous rendez devant les amis. Et une fois que vous avez fait tout ça les amis, vous allez vous rendre à pied les amis derrière le restaurant. Donc en passant bien par les mêmes endroits que moi les amis. Donc ça c'est l'avant-dernier easter egg les amis. Et tout simplement les amis,
vous allez pouvoir apercevoir une espèce de petite cabine toilette avec une main de sang les gars dessus et avec des petits bruits toujours. Examinez l'indice les gars et vous voyez une grosse marque de sang vraiment voilà les amis, donc c'est vraiment ça fait un peu plus peur les gars parce qu'il fait nuit les gars. Du coup les gars, vous quittez et vous regagnez 5000 dollars les gars, donc sur GTA 5 les gars. On n'oublie pas, hein, toi là-bas, là. Eh, on t'oublie pas, hein, on t'oublie pas. Du coup, let's go, les amis. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, tout simplement, vous allez pouvoir faire quelque chose avec le tueur. Le tueur va vous donner un rendez-vous. Et tout simplement, vous allez pouvoir faire quelque chose avec les amis. Je vous en dis pas plus, les gars, pour le watch time. Et du coup, les gars, on se retrouve pour le quatrième, les amis. Let's go. Bon, regardez-moi, c'est du tout bleu pour un maximum de vidéos et de live, les gars. Et moi, je vous retrouve pour le quatrième. Le cinquième, excusez-moi, les amis, pour le cinquième et dernier indice. Easter egg. Let's go. Et du coup les amis, pour le dernier easter egg, indice les amis, tout simplement, vous allez devoir vous rendre ici les amis sur la carte. Donc vous voyez, il y a une espèce de truc transparent les amis ici. Vous le suivez, vous allez ici, vous zoomez jusqu'à temps qu'il y ait un petit V comme ça. Donc vous zoomez vraiment à fond, une espèce de courbe comme ça et vous montez à peu près, voilà, ici. Donc voilà, vous montez ici les amis. Et du coup lui, ok nice. Par contre les gars, j'ai remarqué un truc, il y a une voiture là-bas. Et je me demande vraiment ce que c'est les amis parce que... Enfin, ce n'est absolument pas moi, les amis. C'est vraiment un mystère, là, que je vais aller voir, les gars. Pourquoi il y a une voiture ici, sur le côté, les amis. Et normalement... Elle est même pas ouverte. Ok. Bon, moi, c'était juste pour savoir. Ok, donc c'était vraiment une voiture de... Je sais pas, une voiture qui spawn automatiquement, je sais pas. Bref, du coup, let's go, les gars. Donc, vous allez simplement devoir vous rendre ici, les amis, une fois que vous voyez le ruisseau, les amis, tout simplement. Et vous entendez les petits chuchotements, les amis. C'est magnifique. Bon, les gars, ça commence à faire un peu flipper, les amis. Et là, vous allez voir un petit camion, les gars. Bon, par contre, là, ça fait vraiment flipper, les gars. Une espèce de camion rempli de sang. Mais bah voilà, tout simplement, les amis. Oh la vache, c'est horrible. Un gros camion rempli de sacs poubelles et de sang. Et bon, bref, on quitte. Et on gagne les 5 derniers 5000 euros, les gars. Est-ce qu'on peut rentrer dans... Non. Et voilà les amis, vous allez voir un petit message les amis, j'en ai marre que tu te mêles de ceux qui te regardent pas, alors je vais te mentir, je vais pas te mentir. Donc les amis, c'est très simple, à partir de maintenant les amis, vous allez recevoir un petit truc les amis. Enfin, vous allez pas le recevoir, mais tout simplement entre 19h les gars. Donc là les gars, il est actuellement 4h du matin, entre 19h et 5h du matin, vous allez devoir vous rendre ici les amis. Et il va vous courir dessus tout simplement. Donc on va s'y rendre les amis, let's go. Les amis, le tueur est enfin là les amis. On va le tuer les gars. Ne surtout pas foirer les gars. Et tout simplement les amis, vous gagnez 50 000 euros les amis. Avec en récompense tout simplement le petit pistolet de Navi les gars. Donc tout simplement c'est un pistolet avec 430 balles qui one shot les gens. Donc les amis, c'est magnifique. Les amis, normalement vous aurez un objectif de kill. Voilà, effectuez 50 éliminations avec le revolver de Navi dans GTA en 5 online pour obtenir une récompense en GTA dollar. Du coup les amis, je vais tout simplement vous montrer un tuto les gars pour tout simplement pouvoir tuer 50 personnes quasiment à la fois. Les amis, on se retrouve tout de suite, let's go. Donc les amis, j'ai déjà fait 10 éliminations avec le pistolet tout simplement. Donc les gars, j'ai tout simplement, ok les gars, j'ai déjà fait ça, y'a pas besoin tout simplement, y'a plus que je l'ai, j'ai semé tout simplement. Du coup les gars, y'a un technique, c'est avec tout simplement. Vous avez au cinéma les gars, donc qui se trouve juste ici les amis, qui part par là, bref, qui part par là, y'a le cinéma les amis. Et tout simplement, vous prenez votre moto, vous allez au cinéma et vous tuez plein de gens. Et après vous partez avec votre moto, vous venez et il y aura d'autres gens les amis. Donc bon voilà, vous les faites 10 par 10, 15 par 15, 3 par 3, 7 par 7, bref. C'est vraiment pour dire ce que vous pouvez faire. Vous vous baladez un peu partout dans la ville, et vous mettez quelqu'un ou un troupe de personnes ou quoi. Vous le tuez comme ça, voilà, hop, on vise, on tire, on vise, on tire. Ça, donc, les gars, c'est donc on va prendre la moto et vous allez repartir et ainsi de suite les amis, donc je vous conseille vraiment de faire ça à la foulée vraiment, genre super rapidement pour que personne, pour pas que vous tout simplement, vous voyez là il y a 10 personnes environ. Donc les amis, il y aura 30 personnes à tuer tout simplement les gars, et du coup vous tuez les personnes, hop, vous les tuez. La personne ici elle va décéder. Ok bon les gars, let's go, du coup j'ai pas le temps les amis, on va simplement partir en moto les gars et refaire le kill et ainsi de suite les amis, jusqu'à temps d'attendre les 50 personnes les gars, donc là je dois être déjà à 20, 25, 20, 25, 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
vous essayez de semer les flics, les gars. Et les amis, tout simplement, vous êtes des kills. Du coup, les délégués, on se retrouve, il ne reste plus que 2-3 personnes, les amis, pour tout simplement écouter la récompense. Da-da-da-da-da. Wanna touch me, what do you say, what is anyone a liar, da-da-da-da. Divers reçu. Panama. 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 Daddy say you got to get it. Il faut Panama. Panama. We don't say you get it. We do, guys. I lie. Les amis, il me reste potentiellement une seule personne à tuer, les gars. Et let's go. Oh, tu es là. Non, c'est pas celle-là. Les gars, c'est parti. Et voilà, les amis. Vous venez de voir, les gars, que je viens de débloquer 200 000, les amis. Donc, vous pouvez encore faire des kills, voilà. Pour le plaisir, les amis. C'est vraiment un pistolet de ouf, les amis. C'est un pistolet, les gars. Défi du revolver de Nazi, les gars. Terminé, vous pourrez découvrir l'arme. L'arme exclusive, les gars. Donc, c'est-à-dire qu'on a débloqué l'arme, les gars. Et tout simplement, c'est magique, les gars, puisque du coup... Bah, j'ai tout simplement débloqué 200 000. 200 000, c'est pas 20, c'est pas 10, c'est pas 30, c'est pas 100 000. C'est 200 000. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. Du coup, let's go, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, les amis. Attendez, en attendant, les gars, on va semer les flics, les gars. Là, 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 là. Et je vais mourir. Là, 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 là. Et même pas. Je veux pas mourir. Bah, du coup, les gars, on va semer tout simplement. Les flics, on va nous rester. On reste vraiment debout là. On peut pas, on peut pas, on peut pas. What the fuck. Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, les gars, vous pouvez voir que je retourne à 600 000, les amis. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Purple. Bisous.